Jean-Mathieu Pernin, mais qu'est-il arrivé dans ta chronique de jeudi? Pourquoi tant de haine envers les pauvres cyclistes que nous sommes? Comment un journaliste radio, brillant comme toi, doté d'un cerveau, de deux jambes, d'une paire d'yeux et d'une mauvaise langue, peut se transformer ainsi en un Pol Pot génocideur de cyclistes dérangeants dans sa chronique sur le Move? Car oui, il suffit que tu enfiles ton casque pour que toi, sympathique et noctambule chroniqueur des nuits parisiennes, tu te transformes inéluctablement en un Attila des cyclistes urbains. Et c'est quoi ce cliché campagnard du Caprice des Dieux? Peut-être as-tu le souvenir ému d'avoir confectionné une boîte à bijoux pour ta maman. Mais si, enfant, tu as sûrement recyclé l'emballage ovale de cette ersatz laiti insipide en une jolie boîte à bijoux. Perso, je préfère le camembert normand au lait cru moulé à la louche qu'il se nomme Réau, Gilot ou Moulin de Carrel. Bon allez, j'aurais éventuellement pu te pardonner si tu as évoqué une chanson plus sexy comme Belle des Champs. Mais si, le fromage, souviens-toi. Tu joues des échancrures de ton corsage, des étincelles dans les yeux, belle des champs. N'appelle pas cycliste tout utilisateur de Vélib, c'est insultant. C'est comme si, au guidon de ton scooter, tu te prenais pour Valentino Rossi. Et pourtant, la cylindrée de certains scooters et la moto compris est identique. Il y a pire. Tous les poireaux dotés du permis auto peuvent monter sur un scooter à trois roues. Oui, ces drôles d'engins bizarres avec deux roues à l'avant et une roue à l'arrière. Les frissons du deux roues sans la joie d'avoir passé son plateau pendant le permis moto. Ils essayent de se faufiler n'importe comment dans les trous de souris offerts par la circulation parisienne. Et puis, tu me fais rire, tu critiques les cyclistes qui vont en vacances en voiture. Mais moi, j'ai écouté l'année dernière un animateur en scooter faire le Tour de France en bus. Oui, en bus. Tu t'es tapé toutes les lignes jusqu'au bout de la ligne 72 pour revenir à ton point de départ, l'arrêt Radio France. Avoue que de rouler en scooter sur les petites routes normandes, ça aurait une autre gueule. Mais au lieu de ça, tu es là en bus. Et puis en parlant de pollution, mine de rien, la clope est quand même beaucoup plus nocive. Et oui, un cycliste à vélo dans Paris absorbe moins de pollution qu'un animateur radio qui fume sa clope en terrasse. Et il va plus loin.